C'est un film plus grande nature dans lequel les personnages font un peu partie de la famille. Bienvenue à Disneyland Paris. En ce 12 avril, on fête l'anniversaire du parc d'attractions. Nous sommes fiers de ce qui est devenu Disneyland Paris depuis 1992. Mais au-delà de la fierté, c'est un sentiment de bonheur qui domine aujourd'hui. Car en 25 ans, des millions de visiteurs ont vu la petite souris de plus près. Autant dire, un carton commercial. Mais problème, l'oncle Picsou n'en finit pas de perdre de l'argent. Nous pensons que la France est le pays idéal pour accueillir Euro Disneyland. Souvenez-vous, nous sommes en 1985. La Walt Disney Company choisit la France. Marne-la-Vallée, où le plus grand parc d'attractions jamais construit en Europe, va voir le jour. Il y a bien des levées de boucliers, mais Disney négocie à coups de dollars. Vous voulez que je vous dise combien est-ce qu'on veut ? Ben on veut le maximum. Un premier parc ouvre ses portes donc, puis un second en 2002, dédié aux films d'animation. Des coulisses du cinéma aux mésaventures d'un rat dans les faubourgs parisiens, Disney dépense toujours plus et à ce jour, 320 millions de visiteurs ont fait un crochet par la Seine-et-Marne. C'est la magie de Disney, on a grandi avec Disney, c'est notre génération, donc forcément on a envie de revenir et puis de présenter ça à nos enfants pour qu'ils vivent la même chose. Voilà, et qu'ils grandissent avec la magie de Disney parce que c'est formidable. C'est toute l'enfance quoi, on a grandi avec ça, c'est comme ça. C'est sympa. Même si on connaît les attractions, on les redécouvre à chaque fois et puis au fur et à mesure, ça change quand même. Toujours plus de rêves américains commercialisés sur le vieux continent. Pour cela, l'oncle Picsou n'a jamais cessé de mettre la main au porte-monnaie, car le nerf de la guerre, ce sont les attractions. Leur rénovation est une question de vie ou de mort. Dernière en date, le très fameux Star Tours. C'est l'atmosphère, on a l'impression de baigner dedans. Et la fin, là, je sais qu'il y a plusieurs scénarios, mais on a reçu vraiment un truc dans la figure et c'est vraiment top. Pour ses 25 ans, Disney revisite entièrement l'univers de George Lucas. Et les premiers fans s'y précipitent à la vitesse de la lumière. Franchement, c'était dingue. Je suis vraiment contente d'avoir pu le refaire avec les nouveaux décors et les nouveaux scénarios. Je trouvais ça ouf. À première vue, c'est un succès. En un quart de siècle, 65 milliards ont été générés dans l'économie, de quoi faire vivre les entreprises locales. Petit tour à Volpénil dans l'atelier de Lucien Gau. Le patron est fier de nous montrer ses lampadaires. On est typique, on est dans l'univers des Pirates des Caraïbes avec une lanterne à tête de mort. Disney représente 10% de son carnet de commandes. C'est un client qui est très pointilleux, très cultivé dans le détail et dans la façon de fabriquer et qui prend en compte la totalité des arts décoratifs d'une façon générale. Donc ce sont des clients qui s'inspirent de Versailles, qui vont s'inspirer de Paris, mais également de certaines îles dans les Caraïbes. Peu importe, c'est suivant le décor et l'univers dans lequel vont se placer les objets qu'on va avoir soit à restaurer, soit à fabriquer pour eux. Dans son sillage, le parc entraîne 15 000 emplois directs et indirects dans l'Hexagone. Ici, on trouve menuisier, électricien, vernisseur. Claire Rousseau a été embauchée à l'arrivée du géant américain. C'est quelque chose de bien spécifique. Il nous montre un modèle, mais il faut qu'on n'ait pas une seule pièce qui se ressemble en réalité. Faut laisser faire les choses tout seul. Pas une seule chaîne ne culera de la même façon. Mais c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas qu'on soit mécanique, ils veulent pas qu'on soit à l'identique, ils veulent pas. Faut que la magie elle opère toute seule. C'est donc un anniversaire sans nuages à l'horizon. Après une période pourtant difficile marquée par la série d'attentats en France, entre 2015 et 2016, le parc a en effet perdu 1,5 million de visiteurs, provoquant un peu plus la dégringolade en bourse. À tel point que les actionnaires ont été priés de quitter le navire. 2 euros, c'est à ce prix que la firme américaine vient de racheter leur part.
Edith Zemirou a perdu une partie de ses économies dans Euro Disney. Nous, on va disparaître en tant que petits actionnaires. Et puis, on ne pourra plus aller à des assemblées générales. On n'aura plus ces espèces de petits privilèges qui nous faisaient plaisir. Une pièce de monnaie en guise d'adieu. Pour cet autre épargnant, c'est une trahison. Pierre Alain a épluché les comptes de l'entreprise. Selon lui, les attentats n'expliquent pas tout. Il y a des frais qu'on appelle les royalties. Donc, en fait, c'est des redevances sur tout ce qui est vendu au sein du parc. On pourrait considérer que c'est normal puisqu'on utilise les droits d'image de toutes les marques de Disney. Simplement, les montants sont exorbitants et devraient être recalculés pour ne pas être aussi importants. Exemple, vous empruntez le parking, 20 euros la journée, 10% sont reversés à la société mère. Deux tickets d'entrée à 75 euros, 20% sont ponctionnés. Un repas dans un restaurant du parc, 15% sont encaissés outre-Atlantique et pour un souvenir, 5% sont taxés depuis la Californie. Soit 1 milliard d'euros reversés en 10 ans. La Walt Disney aurait ainsi entraîné sa filiale française dans un gouffre financier. La Walt Disney Company, comme une société quasiment philanthropique avec la France, qu'elle a aidé à développer, qu'elle a franchement aidé financièrement avec tout l'argent qu'elle a rapporté, le nombre de touristes qu'elle fait venir, tout ça pour occulter le fait qu'ils ont quand même très très mal géré pendant 25 ans et que les actionnaires ont été floués. Les 30 000 épargnants ont-ils été trahis ? Ont-ils été plumés délibérément ? Selon Marc Daguerre, analyste financier, cela reste à prouver. On verra peut-être par la suite les raisons, qu'est-ce qui a fait que cette action a chuté, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, les actionnaires ont pris une part de responsabilité en décidant d'investir sur cette société. Donc moi, j'estime qu'on ne peut pas toujours incriminer l'entreprise ou pas l'entreprise, mais en tout cas, en tant qu'actionnaire, on doit s'engager un minimum et décider de miser sur telle ou telle boîte d'une telle ou telle façon. C'est un peu facile après coup de dire « ah bah voilà, mais ça ne marche pas ». Oui, sauf qu'une plainte a été transmise au tribunal de grande instance de Paris à la demande d'un fonds d'investissement parisien. Depuis 2015, la justice enquête sur des suspicions d'abus de biens sociaux, diffusion d'informations trompeuses et présentation de comptes inexacts. La firme américaine aurait ainsi capté plus d'un milliard d'euros sur le dos de sa filiale française. Mais sur ce dossier, aucun commentaire de Disney. Néanmoins, la direction a accepté de répondre sur les questions stratégiques via son directeur marketing. Au sein de la totalité de la Walt Disney Company, notre mission est beaucoup plus large. C'est-à-dire que nous, on est véritablement le phare de la marque Disney en France. Et à la fin, ce qui compte aussi, c'est véritablement le succès en termes de destination touristique. Mais alors, à quand le retour aux bénéfices ? Eh bien, cela ne semble pas une priorité. Bien sûr que l'ambition de la société est de proposer un business rentable. Mais ce qui est vraiment capital, c'est dans le long terme, de pouvoir investir dans le produit, de maintenir la destination vraiment pour marquer la différence Disney, qui est celle qui fait la différence vis-à-vis de nos compétiteurs. Le problème, c'est que la Belle au bois dormant est endettée jusqu'au cou. 800 millions d'euros de pertes en 2016. Raison pour laquelle en France, Mickey est exonéré de l'impôt sur les sociétés. Mais qu'à cela ne tienne, Disney investit toujours et encore. À 3 km de là, certes, le chantier n'est pas terminé, mais imaginez une nouvelle destination touristique, au calme, proposant activités en famille. Et surtout, cerise sur le gâteau, un lagon extérieur chauffé toute l'année. Bienvenue au village nature. La particularité de ce bassin, il restera en eau toute l'année, mais il ne sera pas chauffé toute l'année. Contrairement aux bassins que vous pouvez voir de ce côté-là, qui eux seront chauffés toute l'année, et l'eau le soir, justement par rapport à celui-ci, la différence c'est que l'eau des bassins extérieurs est tous les soirs réintégrée en sous-sol pour éviter les déperditions
énergétique. Donc du coup, vous avez effectivement des bassins dans lesquels on pourra évoluer toute l'année, celui-ci uniquement dans les parties chaudes. Il en a construit des piscines, ce maître d'ouvrage, mais comme celle-ci, jamais, plus que 3 mois avant l'ouverture de ce complexe aquatique gigantesque. Il nous reste tout ce qui est revêtement de sol, résine, pierre, comme là le monsieur est en train de le faire, les pierres de toutes les plages et les plantations qu'on aura, puisqu'en fait ici, ce projet, vous avez un ensemble de jardinières avec une végétation luxuriante. Disney et son nouveau partenaire Pierre et Vacances n'ont pas lésiné sur les moyens. Montant de la facture, 3 milliards d'euros. Pour cette résidence dotée de ses cottages loués en moyenne, 150 euros la nuit. Et pour rentabiliser le tout, le taux d'occupation devra atteindre 80%, comme à Center Parcs. À Center Parcs, ils font 80%. Les Center Parcs sont au milieu de nulle part, complètement paumés. À Disneyland Paris, on fait 80% parce qu'on a des Français, des Anglais, des Allemands, des Hollandais. Et nous, on va combiner vraiment la force de nos deux maisons-mères pour atteindre ces taux d'occupation. Les vacances au vert, au beau milieu d'un terroir, reconstitué à 3 quarts d'heure de la capitale. Le pari est risqué, puisque s'il veut se maintenir, Disney devra forcément revoir son modèle économique. Les gens comme vous, moi, n'importe qui décidons à un moment d'octroyer un budget loisir, on ne va pas se dire forcément bah, je vais aller payer peut-être 30 euros l'entrée à Disney et puis faire des queues d'une heure et quart alors que je peux peut-être aller dans un parc qui va me coûter 2 fois moins cher, etc. Avec peut-être des attractions moins qualitatives, avec un environnement peut-être moins féerique, mais peut-être que ça rentre plus dans ma gestion des coûts à moi. Ce qui fait que là, il y a, je pense, un arbitrage qui est désavantageux pour le parc Disney Europe par rapport à des parcs comme Astérix ou le parc allemand qui fonctionne extrêmement bien. Réduire ses coûts, en finir avec les taxes mirobolantes perçues par la Walt Disney Company. Et tout cela sans que l'Empire ne perde de sa magie. C'est l'enjeu que Disneyland Paris doit relever s'il veut poursuivre son aventure parisienne. Nous sommes tous